Tu connais cette écriture? Oui, c'est l'écriture de mon oncle. Écriture de sergent-major. Il était adjudant, mon maître encaisseur. Jolie carrière. Tu ne me demandes pas ce que contient cette lettre? Que contient cette lettre? 10 fautes d'orthographe, 4 fautes de syntaxe et une protestation. Il veut que tu abandonnes le conservatoire et que tu reprennes les fers en main dans la boutique de ta tante. Les fers en main. Elle est coiffeuse, ta tante? Repasseuse. Et ton oncle? Il n'aime pas le théâtre, ton oncle? Il le déteste. Et malgré son interdiction, tu es venu ici 3 fois par semaine? Ça allait bien. Quand tu quittes la boutique, que disent-ils? Rien, ils ne vont pas partir. Et quand tu reviens? Ah, ça. Évidemment. C'est un drame. Nous avons tous les mêmes parents. Quand j'étais jeune, les miens ne voulaient pas admettre que j'étais un jeune premier amoureux. Et cependant, j'étais jeune, j'étais premier et j'étais amoureux. Qu'as-tu l'intention de faire? Tu as du talent comme blanchisseuse? Non. Repasser des chemises d'homme à ton âge, quelle indécence. Je ferai n'importe quoi, mais je ne reprendrai pas les fers, non. Non, tu ne les reprendras pas. Je vais répondre, moi, à la lettre de ton oncle, et sans passer par l'intermédiaire du facteur. Vous allez lui téléphoner? Je vais aller le trouver, je lui parlerai. Si, je lui parlerai comme j'aurais dû parler à mon père quand j'avais ton âge. Car j'ai eu 17 ans, je ne les ai plus parce que tu les as. Et que tes 17 ans, il n'y en a pas pour tout le monde à la fois. Allez, va. Madame Grenaison? Certainement. Je suis Monsieur Lambertin. Pouvez-vous me consacrer quelques instants? Certainement. Votre mari est-il là? À l'oncle de la petite? Mais certainement, monsieur. Venez par ici, je vous en prie. On sera plus à l'aise pour causer. Ingénue. Jeune première. Ingénue. Allez, Marcel, laissez passer monsieur Lambertin. Coquette. Sans emploi. Monsieur Grenaison, mon mari, l'oncle de la petite. J'aurais tout de suite reconnu monsieur Grenaison. Vraiment? Vous ressemblez furieusement à votre écriture. Vous allez bien prendre une tasse de café avec nous? Mais certainement. Asseyez-vous, monsieur. Bernard, allez, essuie la table. Ai-je l'air d'un excentrique, d'un dément ou d'un hors-la-loi? Certainement pas. Je suis officier de la Légion d'honneur. Je l'ai vu tout de suite, mon commandant. Je ne suis pas commandant, je professe au conservatoire et c'est à ce titre qu'on m'a décoré. Je n'en tire pas de vanité. Je vous dis ces choses de sucre. Parce qu'aux yeux de certaines personnes, merci, cet accessoire vestimentaire confère à qui le porte un certain prestige. Certainement. Cet attribut me donne le privilège d'être écouté respectueusement par les imbéciles. Les autres ne me prêtent quelque attention qu'à cause de mon talent, de ma carrière ou de mon passé. Allez, chou. Bref, voilà. Votre nièce est mon élève. Non, c'est trop d'honneur. Laisse parler le commandant. Je ne suis pas commandant. J'en viens au même. Les parents sont bien coupables qui ne respectent pas les cheveux blonds ou bruns de la jeunesse. Cet enfant est un sujet de premier ordre. Et vous n'avez pas le droit de lui gâcher la vie sous le prétexte assez vain que vous lui tenez lieu de mère en qualité de tante. C'est une amoureuse. Comment? Je parle de son emploi. Amoureuse, c'est pas un métier, ça. Je ne doute pas de sa vertu. C'est une Réjeanne, si vous préférez. Oui. Je parle du genre de rôle qu'elle interprétera. Oh, si c'est une Réjeanne, alors, certainement. Voilà. Je vous rends votre lettre pour vous laisser la joie d'avoir le remords de la déchirer vous-même. Je vais le tomber maintenant. Qu'il n'en soit plus question. Et croyez-vous qu'elle gagnera de l'argent? Elle arrivera, et c'est à vous qu'elle le devra. Croyez-moi, vous ferez une bonne et noble action. Qu'en penses-tu, Fernand? Moi, ça ne me plaît pas beaucoup, mais puisque monsieur nous assure que la petite... T'en penses pas. Évidemment. Silence, la boutique! Voilà, enchanté de vous avoir connu. Tout est arrangé? Bravo, vous êtes de braves gens. Quand je pense qu'elle aurait vécu dans cette atmosphère, blanchisseuse, vous ne lui interdisiez pas l'accès de la boutique. On n'a jamais vu des enfants qui voulaient devenir blanchisseurs contrecarrés par leurs parents. Ben, c'est que c'est un métier. Laver en famille le linge sale des autres, vous appelez ça un métier? Ignoble. Mes pauvres enfants, je vous plains. Mais enfin, Tandis que comédien, ce n'est pas une profession, n'est-ce pas? Pas une profession, crétin. Pas une profession, excusez-moi de vous parler ainsi, mais vous me rappelez mon imbécile de père.
Quelle atmosphère. C'est à vous dégoûter de vous faire blanchir. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Voilà des façons. Venir insulter les commerçants à domicile. Quand je songe que l'on joue Madame Sangène à la Comédie Française. Pardon, mon enfant. Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet homme? Vous, le sergent-major, taisez-vous. Hein. Je serai comédien, quoi que vous en disiez. Je ne finirai pas mes jours entre une pile de mouchoirs et une douzaine de chemises de plastron. Voilà, voilà ce que j'aurais dû dire à mon père quand j'avais 17 ans. Il y a un peu plus de 30 ans. Adieu. Mais vous ne remettrez plus jamais les pieds ici, plus jamais. J'ai aucune raison de remettre les pieds chez vous maintenant que j'ai tout arrangé. Oh. Ah non.